Ah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as vécu cette semaine? Quel était le thème de la semaine? Alors, le thème de la semaine, c'était le partage. Par équipe, on devait créer un projet. On était complètement libre sur ce thème. Alors, on est arrivé lundi matin, on ne savait pas réellement à quoi s'attendre. Puis, on est rentré dans la salle de classe et on nous a expliqué clairement qu'on devait créer un projet, qu'on devait ensuite présenter devant des professeurs vendredi. Alors, on nous a dit sur quel thème on devait travailler. Et le thème, en fait, est un thème imposé, qui est le partage. Et ensuite, on a direct commencé à travailler avec nos professeurs sur le projet sur lequel on va plancher. Projet totalement divers, produits, créer des événements. L'idée principale, c'était d'ouvrir les étudiants, de les faire oser. On remarque que les étudiants, quand ils arrivent dans le supérieur, ont souvent l'idée qu'il existe un espèce de modèle préétabli et que pour réussir, il faut se conformer à ce modèle. Ce qui n'intéresse pas l'école et n'intéresse pas les entreprises. Donc notre idée, ça a été dès le début, dès leur arrivée dans l'école, au contraire de les ouvrir, de leur permettre d'être force de proposition, d'ouvrir leur personnalité, de laisser venir les choses d'eux, puisque c'est ça, en premier lieu, qui va faire leur réussite à la fois dans l'école et dans l'entreprise. Donc pour ce faire, dans le cadre pédagogique, on a créé un fil rouge du lundi au vendredi, où par équipe, avec un intervenant qui est venu à plusieurs reprises, ils avaient à nous proposer un projet. Totale liberté, la seule contrainte, c'est que ça devait respecter un thème, le partage. Pour le reste, la nature du projet, la forme de la présentation, qu'est-ce qu'ils allaient faire, etc., ils étaient totalement libres. Et résultat, ça a donné un salon, ça a donné un festival musical, ça a donné un conte, ça a donné une forme, différentes formes d'idées autour du partage. Et Tiffany, du coup, sur quel projet est-ce que vous vous êtes lancée? Donc le projet, en gros, c'est un week-end culturel pour les non-professionnels. Donc on a choisi le lieu, les artistes, les contraintes, les obligations qu'on avait. Enfin, on a monté le projet, quoi, et on l'a mis en forme. En fait, notre projet, c'était de faire un documentaire sur le partage et dénoncer les abus de partage au Vatican. Et à côté de ça, dans la semaine, différents jours, ils ont vu d'autres intervenants qui sont venus leur proposer des techniques de créativité pour libérer l'idée, pour libérer la créativité, pour oser, autour de l'écriture, autour du théâtre, autour du chant, et ainsi de suite. Alors les élèves ont été déroutés, forcément, puisque ça ne correspond pas à ce qu'ils ont l'habitude de faire, donc ça les a un peu surpris, ça les a un peu déroutés. Donc il y a ceux qui, du coup, ont eu du mal à entrer dans le jeu. Et à l'inverse, il y a ceux qui, au bout de 5 minutes, étaient déjà à fond dedans, enthousiastes, contents d'être là. Donc tous les profils se retrouvent. Mais à la fin, pour avoir assisté aux soutenances des étudiants le vendredi, j'étais surpris de voir la qualité du travail, alors qu'ils avaient des délais vraiment courts. Ils avaient une grande liberté, mais à la fois la liberté, c'est souvent intimidant. Et pourtant, ils ont osé, ils ont utilisé la liberté qu'ils avaient pour proposer des travaux dans lesquels ils sont tous impliqués et qui avaient une vraie qualité. Vous en avez retiré quoi de positif du coup dans la construction de cette semaine? Ben, le travail en groupe, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Il faut apprendre à s'écouter avec les autres, partager les avis de chacun. Ouais, les activités étaient franchement pas mal. Ça nous a permis de toucher à divers univers, aussi bien à l'univers de la musique. On a fait également de l'expression théâtrale qui nous permet d'être beaucoup plus à l'aise à l'oral. On a eu également un atelier ce matin où il fallait créer une Une histoire, musique. ouais, une musique ce matin, oui. Et on était tous en groupe donc on a dû. Vraiment apprendre à être ensemble et c'était super intéressant. À titre personnel, c'est une vraie satisfaction que ça ait pris. C'est une vraie satisfaction que les étudiants aient joué le jeu. Ils ont été assidus d'un bout à l'autre. Pour les avoir vus jouer les pièces de théâtre, ils l'ont fait à fond. Pour avoir vu leur projet, ils l'ont fait à fond. On a reçu des bandes-sons d'instruments musicaux. Je suis curieux de les entendre. Donc, ils ont vraiment joué le jeu. Il y a une vraie satisfaction à voir la semaine se dérouler correctement et avoir le. Bah, j'allais dire le sourire des étudiants quand ils présentaient leur projet, c'est l'objectif principal. Semaine, il est plutôt positif. Oui, très très positif.